Allô? Oui, cousin. Mieux quoi? Ça va et toi? Ouais. Là, je suis à Digne, à la maison. Ouais, tu bosses? Ah, tu es libre ce soir? Ouais. Tu veux demander? Pas de problème, pas de problème. Écoute, si t'es chaud pour un petit bib, pourquoi pas? Allez, pas de problème. Prends toutes tes affaires. Ils ont prévu de la pluie, apparemment c'est couvert sur les hauteurs. Hein. Ouais, prends un kawé. Et on y va, hein. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Ça fait un moment en plus qu'on n'en a pas fait. Je suis chaud, pas de soucis. Allez, bon, on va pour un petit bivouac ce soir, ça marche. Allez, à tout à l'heure, cousin. Ciao, ciao. Parfait. Salut tout le monde. Bon, comme vous avez pu le comprendre, petite vidéo pour un nouveau bivouac. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait de vidéo. Et là, c'est reparti un peu à l'improviste avec le cousin là qui vient de m'appeler. Il va finir le boulot très tard. Vu qu'il a un peu de route, donc je pense qu'il sera à la maison vers les coups de 20, 22 heures. Donc du coup là, je suis un peu parti un peu à la recherche, donc un petit endroit pour ce soir. Je vais essayer d'avancer un peu le camp parce qu'on veut pas trop donc avoir beaucoup de boulot à faire, à arriver à 23 h donc sur le site. On veut un peu profiter de notre week-end. Voilà, donc là je vais un peu m'avancer, je vais essayer de trouver un petit endroit sympa. Et voilà, je pense que ça va donner quelque chose de bien sympa. On va se retrouver en famille. Et voilà, il est prévu un temps de merde apparemment, comme d'habitude. Sacré projet. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, bon, c'est parti pour un petit repérage. Voilà, après une petite demi-heure de marche, petit repos là sous ce chêne, vraiment sympa. Il est au bord du champ là, magnifique. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'ils apporteront pas les nuages. Bon voilà, ça y est, je suis enfin arrivé sur le camp. J'ai marché un peu plus d'une heure, une heure et quart. Malgré le temps gris, il a fait vraiment chaud, j'ai vraiment transpiré. Donc ce qui est conseillé, ce que je vous conseille fortement, c'est une fois que vous êtes arrivé sur le camp, levez vos affaires avec lesquelles vous avez marché. Et donc ensuite, remettez une couche qui est sèche et qui vous tiendra chaud pour éviter les petits coups d'air frais donc dans le dos. Et pour éviter donc de choper le rhume ou voire même avoir un dos qui se bloque. Donc voilà, en fait, cet endroit-là, on est déjà venu pour le bivouac de janvier avec Jérôme et mon cousin Flo. Voilà, donc je suis revenu ici pour trouver une place que je savais déjà où c'était, pour faire assez vite.
C'est un endroit que j'apprécie vraiment beaucoup, puisque la première fois qu'on est venu en janvier, on avait passé une très très bonne soirée. J'ai de très bons souvenirs ici. L'endroit est vraiment super, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de bois mort, du chêne, du pin. Il y a beaucoup de pierres pour faire le foyer. Des arbres droits pour installer des abris, par exemple. Enfin voilà, c'est un très très bel endroit avec de très beaux paysages en montant. Donc je trouve vraiment ça très intéressant ici. Il y a des pins partout. Et je pense qu'on y reviendra souvent. Donc je pense qu'on va, pourquoi pas, faire un camp de la chaîne ici, pourquoi pas. On verra ça avec un peu tout le monde. Voilà, donc je vais commencer à préparer, à m'organiser pour que le camp soit bien fonctionnel pour la soirée. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, autre petit conseil que je peux vous donner, une fois que vous avez trouvé l'emplacement où vous mettrez votre abri, ce que je vous conseille donc, c'est de faire le plus plat possible l'endroit pour éviter on va dire les zones un peu dérangeantes pendant la nuit. Parce que dormir avec une pine ou un caillou sous le dos, c'est vraiment pas top. Donc là, je vous parle avec un retour d'expérience. Depuis, voilà, à chaque fois que je m'installe, je fais bien propre à l'endroit où je vais positionner mon tarp ou, enfin, peu importe, mon abri. Et je le rends le plus plat possible, pardon. J'essaye qu'il y ait très peu, donc voire pas du tout, on va dire, de forme ou quoi que ce soit qui pourrait gêner mon sommeil. Voilà, donc j'ai réfléchi pour ce soir l'abri. Comme vous voyez, ce pin là a plein de petites branches très robustes qui sortent un peu du tronc. Donc je vais m'en servir pour attacher mon tarp. Je vais l'installer en canadienne et il sera donc dans ce sens-là. Et on dormira dessous comme ça. Voilà, donc là je vais délimiter une zone de 3 mètres par 3 mètres environ et faire bien propre tout autour. Voilà. Attention aussi, donc quand vous enlevez, on va dire, la première partie qui est sur le sol, la matière sèche, donc tout ce humus là, en général, le sol est vraiment plus humide dessous. Donc quand vous installez votre abri, n'oubliez pas de protéger le sol avec une couverture de survie. N'oubliez pas un matelas par exemple, ou remettez une couche de feuilles, de mousse ou enfin, tout ce genre de choses qui puisse donc vous rendre le sol un peu plus étanche et donc qui vous rapportera un peu moins d'humidité venant du sol. Voilà. Parce que là, je viens de gratter justement pour faire le sol plat et dessous, c'est vraiment humide. Donc voilà, il faudra bien penser à protéger son corps de l'humidité du sol. Voilà, en tournant un petit peu autour du camp pour aller chercher du bois, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas seul ici. C'est impressionnant le travail qu'a fait les sangliers donc autour de ce pin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Une épaisseur de 5 cm d'écorce au moins. Donc est parti. Et on voit bien donc les frottis ici par exemple. Donc des sangliers. Voilà. Ça met en confiance pour cette nuit. Voilà, donc l'abri prend bien forme. Tout a marché comme je le voulais. Voilà, je me suis servi du tronc. J'ai tiré une faîtière. Je vous montrerai juste après, mais on voit toutes les utilités que peuvent avoir un bâton de marche. Et ensuite là, comme je vous ai dit, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a pas mal de vent. Même qu'on est un peu sous les arbres, ça souffle un petit peu. Donc du coup, pour vraiment s'isoler du vent et que le vent ne s'engouffre pas dans l'abri, ce que je vous conseille, c'est de colmater, on va dire, les brèches qui n'ont pas pu être bien aplaties grâce aux sardines. Donc par des feuilles ou autres, ce que vous pouvez trouver par terre. Pardon, j'ai du mal à parler. Et donc le mettre le bord de l'abri, voilà, pour colmater. Tous les trous. Et pour pas que le vent ne s'engouffre dans l'abri. Voilà, donc là en cette période, vous pouvez le faire avec des feuilles
et on va dire cette couche qu'il y a au sol, cet humus ou de la mousse. Et en hiver, vous pouvez utiliser la neige donc pour colmater votre abri. Voilà. Allez, je continue. Ça y est, l'abri est enfin fini. Voilà donc ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Je suis content de mon boulot. Voilà donc l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment spacieux. On sera deux dedans. Ça va bien chercher l'eau en fond. J'ai mis donc le deuxième bâton au milieu pour rehausser un peu le tout et qu'on puisse être un minimum à l'aise dedans. Donc ici, j'ai accroché un tender avec des mousquetons. Et derrière, mon deuxième bâton de marche. Voilà, relié au tarp par une ficelle et au sol par une autre ficelle pour faire contrepoids. Et là, comme vous voyez, donc les sortes de gros cailloux, c'est pas fait donc pour tenir la corde, mais plutôt pour éviter de s'embrancher dans la ficelle et éviter de tout casser. Voilà, vous pouvez aussi utiliser vos habits ou des objets pour éviter de se prendre tout le temps les pieds dans les cordes. Dans les ficelles ou les fêtières, ça arrive vraiment souvent quand on est sur le camp. Voilà, donc les habits, c'est une très bonne idée aussi, parce que du coup ils vont sécher, vu qu'ils seront un peu, on va dire, étendus. Et ensuite, voilà, après j'avais juste une petite remarque à faire, c'était au niveau des outils. Voilà, parce que tout à l'heure j'ai passé un quart d'heure à chercher la pelle, tout simplement parce qu'elle est de la même couleur que le sol. Voilà, donc dans le sol. Bon, là j'imagine que vous pouvez la repérer, mais tout dépend comment est le sol. C'est très très dur à repérer. C'est pour ça que j'ai des outils, on va dire, de couleur un peu plus tape à l'œil. Voilà, donc je suis d'accord, ça fait un peu moins bushcraft, ça fait un peu moins nature. Mais je préfère avoir un outil que je ne perdrai pas, alors que certains objets sont susceptibles de se perdre sur le camp. Voilà, c'était juste un petit détail. Un petit conseil que je trouve utile, parce que je trouve qu'on cherche souvent nos outils sur le camp. Voilà, donc je vais, une fois que l'abri est fait, ce qui est pour moi le plus important sur un camp, voilà, pouvoir s'abriter, pouvoir se reposer, éviter les intempéries. Maintenant, je vais passer à la deuxième chose la plus importante, le stock de bois, se réchauffer, se nourrir. Voilà, c'est parti. Donc voilà, là comme vous voyez, je passe maintenant donc à la préparation du foyer pour le feu, qui est pour moi la seconde chose la plus importante lorsqu'on part en bivouac. Voilà, le feu, se réchauffer après se mettre à l'abri et donc se loger. Donc pour le feu, quelque chose de très simple, voilà, on va délimiter un cercle, le faire propre à l'intérieur. On va délimiter la zone donc avec des cailloux, de la roche, pour éviter que le feu donc ne prenne trop d'ampleur et se répande. On va éviter de foutre le feu à la forêt, ça serait bien. Ce que je vous conseille pour l'installation du feu, pour le placement, ne le mettez pas trop loin de l'abri pour qu'il vous serve un minimum à quelque chose, donc pour la nuit, pour vous réchauffer un minimum. Mais ne le mettez pas trop près non plus. Si vous mettez à 1 mètre de votre tarpe, vous risquez d'endommager votre tarpe avec les braises qui peuvent donc atterrir sur la toile, ou enfin, je vous le déconseille. Là je suis le tarpe, là, donc l'abri est juste derrière vous, à même pas 50 cm, donc je vous conseille 1m50, 2m environ. Voilà, c'est ce que je préconise, et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et le tarpe, ça fait plus d'un an qu'on l'a, et il a aucun pet, aucun souci, il a pris aucune braise. Voilà. Petit conseil aussi, c'est exactement la même chose que lorsque vous préparez votre abri. Vous levez la première couche qui est sur le sol, donc la couche sèche, avec tous les cailloux, toutes les formes, on va dire, qu'on ne désire pas pour dormir un maximum à plat. Ben là, c'est pareil, on lève la première couche pour faire un endroit vraiment plat, et on atterrit sur donc une couche plus humide. Et donc pour éviter, et plutôt pour augmenter nos chances de démarrer un feu et donc de créer une flamme,
on va venir s'isoler donc de cette couche humide. Je vais vous montrer de suite en quoi ça consiste. Voilà, c'est, faut vraiment s'isoler. Pour dormir, on s'isole, et pour préparer un feu et pour allumer un feu, on s'isole de l'humidité aussi. Voilà. Et je pense qu'on fera un petit mur réflecteur autour pour nous renvoyer la chaleur cette nuit. Allez, on continue. Voilà ce que ça donne. J'ai préparé le foyer et je me suis fabriqué avec les pierres que j'ai trouvées, voilà, une sorte de petit mur réflecteur vite fait, bien fait. Et sur la droite, comme vous voyez là, j'ai ramassé un tronc d'arbre, je l'ai posé donc sur deux supports. Et ça va nous servir de petit banc pour la soirée, voilà. Pour manger, pour tchatcher, voilà, pour profiter du moment. Là, je suis en train de le retailler un peu sur le dessus pour donner la forme, une forme un peu plus plate. Et voilà, le camp est quasi fini. Voilà ce que j'ai pu faire en environ 2 heures. Je suis assez content de moi, franchement. J'ai fait un petit banc pour ce soir, pour qu'on soit un minimum à l'aise. Voilà, tout simple, mais confortable. Notre abri qui sera très spacieux. On aura de la place pour dormir à deux. Le feu, voilà, avec le petit réflecteur en pierre. Et voilà, et là j'ai reçu le coup de fil du cousin, il arrive bientôt, donc je vais me redescendre, je le récupère, on charge toutes les affaires qu'il faut pour dormir, et on remonte. Et voilà, ça y est, il est 22h45, on vient de remonter sur le camp, on a bien marché, 45 minutes de marche, dans la nuit, régalade. Ah oui. Et voilà, qui est de retour. Le cousin. Coucou. Le cousin qui est venu avec moi donc pendant 2 bivouacs. Avec un avec GG en mai et l'autre en mars avec les bivouaqueurs du sud. C'est ça. Qu'on salue d'ailleurs s'ils nous regardent. Voilà. On vient d'arriver sur le camp. Rien n'a bougé, personne n'est venu. Normal, c'est un petit peu perdu. C'est vrai. Donc le cousin, il a ramené de quoi se faire une très très bonne bouffe ce soir. Moi, j'ai ramené aussi un peu de légumes, etc. Bonne tambouille. Bonne tambouillette. on va vous montrer tout ça. Donc là, on est en train de s'installer. Je présente un peu au cousin le camp. Le camp. Et voilà, on va s'atteler au bois et on va lancer le feu, histoire de se faire un peu de luminosité. Il fait pas froid, donc non, pas besoin de beaucoup de chaleur. C'est vrai. Donc voilà, c'est parti. On va vous montrer un peu tout ça. Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, pensez bien à isoler le sol à l'aide de petits branchages, voilà, pour démarrer le feu plus facilement. On a fait notre petit stock de bois, donc là on a ramassé du gros bois qu'on passera directement donc, dans le feu tout à l'heure, sans le découper, pour s'économiser un maximum. Ici, ce que vous avez là, c'est le petit bois qu'on va se servir pour allumer le feu. Là, on a trouvé, c'est du buis sec,
avec des petites branches de pin sèches. Là, le bois moyen. Et là, le plus gros, voilà. Mais je pense pas qu'on aura besoin de gros bois pour se chauffer ce soir. C'est vraiment pour la cuisine, les braises, le plus important. Voilà. Alors, Couz, cette petite séance cueillette de bois. Ça s'est passé tranquillement. Ouais. Donc, non, pas de problème. On a fait ça bien, vite fait. C'était simple, rapide, efficace, j'ai envie de dire. Exact, ouais. Voilà. Après, comme il a plu hier, comme j'expliquais tout à l'heure à mon cousin, donc pour toutes ces branches-là qu'on va se servir pour allumer le feu, on les a ramassées à hauteur d'homme. Donc, comme je lui expliquais, en fait, c'est que quand il pleut, les deux jours suivants, le sol est vraiment humide et le bois est pas encore sec, comme pour celui-là, par exemple, c'est tout cela là, qu'on a ramassé par terre. Ceux-là, on va les mettre autour du feu pour que il s'assèche, je sais pas comment on dit, pour qu'il sèche, tout simplement. Et ceux-là, voilà, c'était vraiment très très sec, limite cassant. Voilà, donc on va un peu plus régler. C'était limite cassant. Je sais pas si là, on peut le voir. Enfin, voilà, ça casse direct dans la, hop, dans la main, c'est vraiment sec. Ça va être parfait pour allumer le feu. Et je pense qu'on va s'y atteler même de suite. Je vais faire 2-3 phaser sticks, histoire de se faciliter la tâche. Voilà. On a bien préparé le feu. Il ne faut pas se faire avoir avec ça en le prenant vraiment à la légère. Parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois. Et je peux vous dire que quand vous galérez à allumer un feu, après une très grosse rando, beaucoup d'efforts physiques, c'est vraiment pas motivant. Et ça a tendance même à énerver des fois. Donc voilà, préparez vraiment bien votre stock de bois, du plus petit, vraiment à la brindille, jusqu'au gros. Et le plus important, voilà, c'est pour allumer Amadou. Très 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 petite brindille. Et ensuite, vraiment petite branche. Qu'on récupère en général, c'est des bouts de branches d'arbres en fait, vraiment les 30 cm qu'il y a sur la fin, c'est vraiment petit. Et voilà, phaser stick aussi très efficace. Et là, vous avez la petite recette pour allumer un feu assez rapidement. Voilà, donc c'est parti pour l'allumage du feu. Là, j'ai ramassé donc un peu de résine que j'ai trouvé sur un pin, je l'ai mis sur une petite écorce. Ensuite, l'amadou. Voilà, c'est vraiment très 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 sec, une sorte de chardon. Et là-bas, j'ai plein de petites brindilles de pin bien sèches. Donc on va s'y essayer. Allez, normalement, tous les ingrédients sont là. Bon, la résine très 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 efficace, franchement. C'est ça qui a réussi à faire prendre le feu. On va passer à du un poil plus gros juste après. Voilà. Laissez bien surtout beaucoup d'air entre les couches pour pas étouffer le feu. Là, vous voyez, je l'écrase pas, je pose juste par-dessus. Tu as raison. Voilà. On est enfin bien installé. Le feu est bien parti. Que dire d'autre? Très bon apéro. On commence bien. On commence bien, ouais. Yaya, il a ramené donc un petit chorizo avec du pain, voilà. Un petit chorizo, pain, un petit whisky coca. Pour se réchauffer un peu. Le top du top, moi j'ai ramené 4 cacahuètes. Tranquille, c'est
Voilà, pour l'apéro, chorizo, un petit whisky, 4 cacahuètes. Après, on va tester le chorizo, on va un peu se le mettre au feu, on va un peu le faire chauffer, on va voir ce que ça donne. Ensuite, pour le repas de ce soir, il est prévu donc blanc de poulet. Blanc de poulet avec une bonne poêlée de légumes, donc tomates, poivrons, oignons, ciboulette, un petit piment rouge, et on a ramené des patates, des toutes petites patates en fait, qui faites, on va essayer de les faire sauter dans de l'huile, de la crème fraîche, des herbes de Provence, et voilà, on va essayer de faire quelque chose de bon, et de un zeste de ciboulette aussi, ouais. Voilà, voilà. Voilà, on s'en guide de manger, il est assez tard, c'est minuit et demi. Donc voilà, on est à l'apéro et c'est vraiment le gros plaisir, voilà, du bif, l'apéro, la nourriture, manger de bons repas une fois qu'on est bien installé autour d'un feu, qu'on sait qu'on a notre abri qui est opérationnel, on a un stock de bois, on a de la chaleur. Exact. Voilà, ça c'est les moments vraiment plaisir total. Voilà, bon ben, santé à tous. Santé à vous. Et on espère que prenez plaisir à regarder la vidéo. Exact. Nous, ça fait que commencer. Eh oui. Ah. Voilà, petit pic. Fait maison. Un petit bout de chêne. Et le petit chorizo. Putain, comme j'ai faim, tu peux pas savoir. C'est vrai. Oh là là. La même, cousin. T'as vu le pain? On dirait qu'il y a de l'huile dessus. C'est vrai. C'est la, c'est la résine, c'est le. D'accord. Ouh, c'est chaud. Bah en fait, tu sais ce qu'on dirait? Le chorizo quand tu manges les pizzas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça c'est fait ça. Le même goût, quoi. C'est ça. Mais je pense que le goût sera meilleur, là, encore. Carrément. Vite, trop vite. En plus, ça renforce le côté fort. Le côté fort, ouais. Exactement. Il y a le côté fort qui ressort. Ouais. Ouais, carrément. C'est vrai. Carrément. Allez, là il a l'air bien, il suinte bien là. C'est un régal, c'est un régal. Voilà, donc pour le repas, on a fait une petite alternative, donc on vous avait parlé de blanc de poulet et de légumes. Donc comme vous pouvez voir, on a penché sur une petite façon, voilà, pour les faire. On voulait faire une poêlée de légumes avec des blancs de poulet à la poêle, et au final on a penché pour une petite brochette, ouais. Comme on peut faire sur les barbecues. Donc on s'est fait des petites brochettes façon un peu bushcraft. On a pris donc un bout de bois qu'on a taillé en pique, et on a mis donc du chorizo, poivron, blanc de poulet, oignon, chorizo, poivron, blanc de poulet, oignon, etc., etc. Voilà, pour se faire des brochettes. C'est et on va les mettre au-dessus du feu, je pense qu'on va se casser le ventre. Oui. Et l'avantage qu'on a, on vient de s'en rendre compte, exact. Ça veut dire que du coup, on n'a ni besoin de salir de la vaisselle, donc pas besoin de faire la vaisselle le lendemain, et pas besoin de salir les popotes, quoi que ce soit. En fait, vous venez avec votre nourriture, un pic en bois, et c'est bon, vous pouvez vous régaler. Voilà, donc pourquoi pas renouveler ce repas, c'est vraiment... Enfin, je pense que ça va être vraiment délicieux. Ah, et en plus de ça, pourquoi pas alléger le sac. Exact. En évitant d'apporter toutes les popotes, etc. Exact. Voilà, allez, dégustation, c'est parti. Oh putain, rien que ça, ça a l'air vachement... C'est alléchant. Franchement, les amis, c'est alléchant. Et viens autour du curry. Voilà, sel, poivre, curry. Sur ces bonnes brochettes-là. On essaie de bien viser le poulet quand même. Parce que chorizo curry, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Ah, ça va donner sec, je crois. Oh oui. Et voilà, on vient de finir les brochettes. On s'en est mangé 4 chacun. Et là, on a mis un petit peu d'eau à chauffer. On va se faire un bon café. Et le cousin, il a ramené des Twix. Donc on va se manger... un petit Twix avec un petit café bien chaud, et on va se glisser dans le duvet juste après. Juste pour info, il est
4h30 du matin. Et on tchatche beaucoup dans la famille. Ouais. Voilà, voilà. Allez, on va pas tarder à se coucher. Voilà la vue qu'on a de l'intérieur de l'abri. On est enfin couché et on va dormir. Bon voilà, on est dans l'abri. Tranquille. Calé, franchement bien au chaud. Bon, y a pas, c'est pas un T2 non plus, mais on est bien voilà pour dormir. On n'a pas le tarp qui est vraiment à même la tête. Voilà, donc je pense qu'on va passer une bonne nuit. Qu'est-ce que t'en penses, Kouz? Une excellente nuit. Non, franchement, on est super bien calé. Assez de place pour pouvoir passer une bonne nuit, tranquillou. Je pense, ouais. Ouais, pépère. Voilà, donc petit résumé du demain, en espérant qu'on soit toujours là. Parce que avant de se coucher, là, on s'est fait une petite frayeur. On est tombé sur un scorpion devant l'abri, là, donc on verra dans quel état on se lève demain. Bon, sur ce, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde, ciao. Oh putain, c'est... J'ai dormi ou quoi? Ah super bien. Bon ça. Nickel. La même, parfait, parfait. Ça y est, le cousin il a enfin levé. Il se rhabille. Bon, on s'est levé à... Enfin moi je me suis levé à 10h15. Donc pour vous dire qu'on a passé une très 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 bonne nuit. J'ai rallumé le feu. Je suis allé faire ma toilette. Et le cousin il s'est réveillé juste après. Donc là, on va partir en mode ramassage de bois pour se refaire quelques braises pour le petit déjeuner qui nous attend. Je pense que ça va être un régal d'entrée de bon matin. Et après, on enchaînera avec peut-être un petit peu de sport et le repas du midi. Et après, on se descendra. Et voilà. Le cousin, il est pourri, pas de toilette parce qu'il a faim. Voilà, voilà, pas le temps de niaiser. En avant.
Voilà le petit déj tant attendu, un bon café. Et là, comme vous voyez à côté, on a mis du pain complet, donc un peu grillé au-dessus du feu. Et tartine de confiture. Waouh, trop beau. On vient d'assister à un spectacle, mais ultra rare. C'est vrai. Palpitant, palpitant à bloc. Donc là, comme vous voyez, on est devant le feu. Là-bas, juste là, là, à 15 mètres du camp, deux brocards en train de se battre. Ils nous ont même pas vus, ils étaient trop dans leur truc. On les voyait se taper, reculer, gratter des sabots. Wow, on est mis plein la gueule, ça fait du bien, franchement. Magnifique. Ça fait plaisir. Franchement, ouais. Sur le coup, pas de mots, quoi. On était bouche bée, choqués. Choqués. On était là, on discutait. Bon, quand c'est qu'on met les saucisses, pas les saucisses au feu, d'un coup, j'entends. Je me retourne et je les vois, ils étaient là, là, en train de se pesquer. Ouais. Ça fait du bien. Et c'est là qu'on apprécie vraiment et c'est là que les souvenirs se créent, voilà. Se créer ce grave. Ah ouais, franchement, vraiment. Ça fait plaisir. Putain, on vient de se régaler les yeux là. Ouais, ah oui. Régalade. Et après, ils sont partis. On a essayé d'un peu de les suivre pour essayer de les filmer. On n'a pas réussi. On les entendait gueuler. Ah, c'était impressionnant. Franchement, moi, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Putain, tu on fait que manger. Bon, allez, là, merguez saucisse à la pique. À la pique. Classique. Allez, on continue tout ça. On va pas tarder à ranger après. Voilà, donc en accompagnement des saucisses et des merguez qui cuisent sur la pique. Voilà ce que nous avons là. C'est plein de couleurs, ça a l'air super bon. Donc c'est des patates un peu revenues dans l'huile avec de l'oignon, de la ciboulette, un peu de piment rouge, du poivron donc jaune, du champignon de Paris que je vais rajouter. Et un peu de crème fraîche. Voilà, donc ça s'annonce très 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 bien. Le couze. Super régalade. Ouais, franchement, ouais, on se barde. Voilà ce que ça donne après la cuisson. Ça a l'air super 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 bon. Rien que les odeurs. Ouais, ça va gérer, je pense. Bon, voilà, on s'approche de la fin donc du séjour. Ouf. On s'approche de la fin du séjour, on est en train de commencer un petit peu à ranger. Là, Yaya, il renvoie vite fait un petit peu le feu, là. On va se faire un petit dernier café. Ouais. Juste après le bon repas là, qu'on s'est fait à midi. Donc, que dire petite astuce, juste, enfin un conseil plutôt. Quand vous rangez votre camp, pour moi, il est préférable de garder l'abri
le maximum de temps. C'est-à-dire que vous allez commencer à ranger tous vos outils, toutes vos affaires, tous vos bibelots, etc. Le matériel pour dormir, duvet, etc. Mais gardez votre abri opérationnel. Une intempérie, ça arrive très très vite. Et c'est toujours bien d'avoir quelque chose donc, pour s'abriter, même quand on est sur le départ. Voilà, parce que ça nous est déjà arrivé avec Jérôme. On s'est retrouvé sous un gros orage en août, c'était. Et on avait déjà rangé les tarpes, etc. Du coup, tout le matériel était sous l'eau. Enfin, c'était catastrophique. Donc voilà, petit conseil, gardez votre abri opérationnel jusqu'au bout. On ne sait jamais. Sinon, voilà, on est sur le départ. Et je pense qu'on s'est régalé. Ah, vous éclatez. Je crois, ouais. Non, franchement, c'était bien. Vachement bien. On a bien marché de nuit. C'était la première fois que je montais en bivouac de nuit. Sympa. Le feu, on a un peu galéré à le faire marcher, à l'allumer. Mais bon, si tout était facile, je pense pas que ça serait autant. Ça serait pas drôle, non. Voilà. C'est les aléas un peu du bivouac. Sinon, tout s'est bien passé. On a bien mangé. Là, on en peut plus. Là. Et voilà. On a vu de super belles choses. Le petit spectacle qu'on a eu tout à l'heure là, des deux chevreuils qui étaient en train de se battre là, qui nous avaient même pas vu à 20 mètres. J'avais jamais vu ça et je pense pas que je le reverrai un jour. Voilà, tout à l'heure on a eu la visite d'un petit écureuil qui a fait un peu sa star là. Voilà, c'était vraiment sympa. Magnifique, ça fait du bien, ça aère. Partez bive, je vous le conseille. Et le chevreuil est en bas. Exact. Et avec une boîte, on a monté tout là-haut. Non, on était vraiment au sommet. Bon, ça y est, c'est le dernier moment du bivouac. Du biv. On s'est fait chauffer un dernier café, on se boit le dernier café. Devant toute la montagne, là, franchement, le paysage il est magnifique. Magnifique. Ouais, c'est un peu là. Chaque fois que je viens ici, c'est un peu mon balcon. Voilà, là, c'est un peu la terrasse, voilà, c'est où je viens boire mon café, fumer la petite clope. Le coucher de soleil, en plus, le soleil il tombe juste là-bas. Là. C'est vraiment très beau. Un beau site. Il y a une barre en bas, là on peut voir des fois les bêtes remonter, les chevreuils, sangliers, par bonheur. Ah, c'est un beau massif. Voilà, on va pas tarder, on va se redescendre. On a une belle vue de ce côté. Ici derrière, elle est magnifique.